J'ai deux enfants, un garçon de 23 ans, une fille de 20 ans. Et dès le départ, je me suis mariée en travaillant déjà, donc j'ai toujours travaillé. Mes enfants n'ont connu qu'une mère qui travaillait. Je suis depuis toujours très attachée à avoir des bons résultats, etc. Et donc c'est vrai que ça prend une partie de la vie importante. Mais ce que j'ai toujours fait avec ma famille, c'est de leur accorder des moments clés où on passait des moments ensemble, et c'est ça qui pouvait créer cette union dans laquelle on se trouve, dans cet amour familial. Et le fait que justement je suis dans cet amour familial, ça me crée un environnement de paix qui me permet de mieux me concentrer dans mon travail. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que Premier ministre, heureusement pour moi, mes enfants sont grands. Hein, mon fils vient de terminer son bachelor en communication, ma fille est encore à l'université. Et donc, ils n'ont plus besoin d'une mère de manière quotidienne. Ils ont toujours besoin de la maman parce que c'est toujours des coups de fil. Même le soir, avant de dormir, je m'assure d'avoir discuté avec mes enfants. J'échange beaucoup avec mon mari. Je m'assure que tout s'est bien passé pour lui dans la journée. Et il est aussi d'un grand soutien parce qu'il est capable de comprendre qu'aujourd'hui, la journée n'a pas été terrible parce qu'en tant que responsable, quand on voit tout ce qui se passe dans notre pays, les conflits à l'Est, les différentes catastrophes naturelles, la situation de pauvreté d'une grande partie de la population, ce n'est pas quelque chose de facile d'être Premier ministre. Et c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui vous soutient parce qu'il vous donne la paix. Et c'est ça qui est important. Voilà, en tout cas, vos enfants ont de la chance de vous avoir comme mère. Cet entretien va tourner autour de l'exécution du programme d'action du gouvernement basé sur les engagements majeurs pris par le chef de l'État lors de son investiture. Et donc, nous allons repartir l'émission en thématiques. En six thématiques, nous parlerons de l'économie et de la protection du pouvoir d'achat, la création d'emplois, la sécurité, la justice, l'aménagement du territoire, l'accès aux services sociaux de base. Bonjour, madame. Alors, nous allons commencer par un secteur que vous maîtrisez, parce que dans la présentation, on a bien dit que vous êtes économiste de formation. Je ne voudrais pas aller longtemps pour présenter l'économie congolaise, mais juste me limiter à dire entre autres que l'économie de notre pays a beaucoup de problèmes. Elle repose aujourd'hui essentiellement sur le secteur minier qui contribue à environ 70% de la croissance globale. En République démocratique du Congo, parmi les objectifs que vous vous êtes assignés lorsque vous avez présenté le programme du gouvernement, c'était notamment dans le secteur minier d'aller dans la transformation, plutôt dans l'exportation des produits bruts, et aussi au plan agroalimentaire, l'économie congolaise est aujourd'hui essentiellement extravertie. J'ai vu des chiffres du ministère du Commerce extérieur, près de 3 milliards de dollars dépensés dans le secteur agroalimentaire sur les 12 derniers mois. L'objectif, vous l'avez rappelé devant les députés, c'est de produire davantage. Qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis que vous avez pris vos fonctions pour inverser cette tendance au plan minier, au plan de l'agroalimentaire et même au plan de la production, pour évoquer une phrase qu'aime bien le président de la République, la revanche du sol sur le sous-sol, c'est de votre responsabilité. Qu'est-ce qui a déjà été fait sur ce plan? Alors, en 3 mois, qu'est-ce que nous avons fait depuis que nous avons été mis en place? J'ai pris fonction après avoir évidemment développé un programme d'action du gouvernement tel que cela a été dit. Et ce qui était important, c'était de voir quelles sont les différentes mesures que nous allons mettre en place pour vraiment asseoir notre programme et commencer à le mettre en œuvre de manière efficace. La première chose, ça a été ce travail qui a été fait pendant 2 mois pour pouvoir obtenir un budget. Nous avons aujourd'hui un projet de budget que j'ai eu à déposer à l'Assemblée nationale, en respectant d'ailleurs les délais constitutionnels. Et ce projet de budget, qui est en augmentation de 26% par rapport à celui de 2024, nous avons aujourd'hui un projet de budget pour 2025 de l'ordre de 89 000 milliards de francs congolais, donc soit plus ou moins 18 milliards de dollars.
Cela nous permet de pouvoir aller, en termes de répartition, 17% pour la diversification de l'économie, 13% dans l'agriculture. Donc c'est déjà, en termes de projection, une volonté forte de dire il est important d'aller vers cette diversification de l'économie. Alors, en parlant de diversification de l'économie, vous savez, par exemple, au niveau des mines, aujourd'hui, nous nous battons pour faire reconnaître nos minerais stratégiques et de dire aussi qu'il nous faut impérativement de venir mettre en produisant normalement. Nous avons un projet que nous avons commencé, projet régional, avec notamment la Zambie, sur la production de batteries. Donc le projet a démarré, il est encore dans ses débuts, mais ça va devoir, à terme, nous permettre, plutôt que d'exporter tout ce qu'on a comme coltan, etc., mais de produire localement, de ne plus dépendre du prix du cobalt brut. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous dépendons du prix qui est imposé à l'extérieur, à l'international, et ce prix-là peut baisser sans que nous n'ayons aucune marge de manœuvre, mais si nous produisons nos batteries ici sur place, nous pourrons vendre des produits finis à un prix qui sera compétitif. Déjà, rien que pour la consommation locale, nous sommes quand même un pays aujourd'hui de plus de 100 millions d'habitants, donc vous voyez quel marché de consommation qui est le nôtre. Et si nous travaillons sur ça, nous allons pouvoir développer notre secteur et produire plus, et ça va nous régénérer des ressources plus importantes. Mais pour y arriver, évidemment, nous avons aujourd'hui un déficit en termes d'énergie, d'infrastructures. Donc il est impératif que nous puissions travailler sur ça. En termes d'énergie, vous avez pu voir dans les années passées, nous avons eu à libéraliser par exemple le secteur de l'électricité. Nous avons mis en place, quand je dis nous, c'est le gouvernement, puisqu'il y a continuité. Donc tout ça, ça a été des mesures qu'aujourd'hui nous sommes en train de consolider pour assurer que, alors que nous avons redémarré les négociations sur on a parlé à l'époque du projet INGA, aujourd'hui on parle d'un programme intégré et structuré INGA, avec la Banque mondiale, l'ABAD est en train de nous suivre, nous sommes en train de discuter aussi avec des investisseurs privés. En attendant que tout ce programme-là puisse vraiment aboutir, nous devons investir dans des micro-centrales hydroélectriques, etc. Et donc, si vous regardez, il y a pas mal d'actions, de projets qui sont en train d'être menés dans ce sens-là. L'autre chose, ce sont les infrastructures. On a plus ou moins 58 000 km de routes, mais nous sommes à plus ou moins 12 000 km de routes qui sont empruntables. L'idée pour nous est d'arriver à 25% au moins des 58 000 km, ce qui nous permettrait d'être dans la norme standard au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, avec les négociations que nous avons faites avec Sicomines, nous avons pu obtenir dans cette négociation 7 milliards de dollars qui vont être investis dans les infrastructures. Nous venons hier en Conseil de ministres, par exemple, d'approuver un financement avec comme bailleur des banques sud-africaines. Ce financement de l'ordre de 186 millions de dollars va nous permettre d'acheter 5000 équipements qui vont nous permettre de travailler sur nos infrastructures et ainsi que pour l'agriculture. Donc c'est des équipements qui vont être mis en place à travers le territoire, 145 territoires. On va constituer des hubs. Ça va être géré dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais ça nous permettra de mettre à disposition les services techniques, office de route, OVD, OVDA. Même les entreprises privées qui travaillent dans le secteur routier pourront bénéficier de ça. Donc ce sont des actions qui vont nous permettre, si elles sont bien coordonnées, de pouvoir avancer. Si aujourd'hui, nous voulons aller développer l'agriculture, déjà dans certaines provinces du pays, les gens produisent, même si ce n'est pas encore à un niveau suffisant. Mais le fait qu'on ait ce déficit en infrastructure, il n'y a pas de possibilité d'évacuer les produits. Or, si nous avançons dans les infrastructures routières, ça va nous permettre de désenclaver et donner la possibilité aux producteurs locaux de pouvoir évacuer leur production. Mais bon, il y a d'autres mesures sur lesquelles on pourra revenir, telles que fiscales, etc., d'incitatives à la production locale. Madame, vous avez été récemment au ministère du Plan, donc oui. Dans la planification. Oui. Je voudrais que l'on soit plus concret, parce que
les chapelets des bonnes intentions et tous ces projets pompeux pour la population, on les a entendus même de la bouche de vos prédécesseurs. Mm-hmm. Parlons du secteur minier, par exemple. Parlons de la transformation, production des batteries, production de l'électricité ou amélioration de la capacité du pays en termes d'électricité ou d'énergie. À quelle échéance on peut s'attendre à des vrais résultats? Mon programme, il est sur combien d'années? Sur 5 ans. Donc, c'est un processus. Oui, mais parce que je sais pourquoi je pose cette question. La production des batteries et la transformation mm-hmm. de certains produits miniers, ce n'est pas pour sitôt, parce qu'on n'a même pas d'infrastructure de base, madame. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on est en train de travailler sur des infrastructures routières, sur la production d'énergie, pour pouvoir aller dans ce sens-là. Le secteur agricole. Oui. Trop de théories. Dirait-on en République démocratique du Congo, peu de résultats. En République démocratique du Congo, il y a à peine le service national qui essaye d'exister mm-hmm. dans la production du maïs et dont on voit les résultats. Mm-hmm. Le gouvernement aujourd'hui, vous avez dit, 13% du budget affecté à l'agriculture pour obtenir la vente du sol sur le sous-sol. Qu'est-ce qui est fait et comment espérer obtenir des résultats concrets sous Judith Suminwa en matière d'agriculture? Vous avez donné l'exemple du service national. Aujourd'hui, le service national a produit 16 000 tonnes de maïs. C'est une chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps. Cette production-là va nous permettre de combler les carences d'ici fin novembre en distribuant une partie, il y a plus ou moins 7 000 tonnes qui sont distribuées dans le Kasaï oriental. Dans le Kasaï central à Kananga, il y a plus ou moins 4 000 tonnes. On a envoyé 4 000 tonnes entre Kinshasa et Lebo, spécifiquement pour les cantines des militaires. Ça va permettre aussi d'appuyer les militaires ainsi que leurs familles. Donc ça, c'est déjà une partie. L'autre partie, c'est de voir aussi comment on soutient les agriculteurs locaux. Je donne un exemple. Aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, on a une disponibilité de plus ou moins 10 000 tonnes de maïs. Avec le service national, on est en train de travailler avec eux pour que le train qui sert au service national puisse transporter ces 10 000 tonnes pour aller renforcer l'approvisionnement en maïs dans le Kasaï. Donc ça encore, ça va être fait par un financement du Trésor public. Au-delà de ça, il y a tout un exercice qui est fait pour l'amélioration des semences. On parle d'agriculture, mais cette agriculture doit être faite avec une semence de qualité. Il y a un travail qui a été fait, je donne juste un exemple aujourd'hui, notamment avec les financements qu'on a injectés au niveau de l'ITA, par exemple, où nous avons pu les appuyer à développer une amélioration de la semence. Et une fois que cela pourra être produit à plus grande échelle et distribué, nous pourrons aller vers une des semences de qualité au niveau du maïs, au niveau du manioc, ainsi de suite. Ce programme-là qui a aujourd'hui reçu plus de 40 millions de dollars, on est en train de former des jeunes dans l'agro-business pour pouvoir justement, une fois que ces jeunes sont formés, c'est une ressource qui va permettre aussi d'être perpétuée au-delà. Donc c'est un peu un système qu'on est en train de mettre qui va permettre, aujourd'hui on forme peut-être un petit nombre, mais ce petit nombre va pouvoir former d'autres et ça va se dupliquer. Donc c'est vrai qu'on est loin du compte, mais on a démarré et on va continuer. Madame, la grogne sociale est très forte et ne fait que s'amplifier. Mm-hmm. Pour ne prendre que les cas des enseignants, des médecins, des magistrats et beaucoup d'autres secteurs. Mm-hmm. Il y avait des négociations entre gouvernement et banque syndicale avant la rentrée et votre gouvernement s'est félicité du fait qu'il y avait des avancées, mais une bonne partie des enseignants ne donne pas cours et beaucoup parlent déjà de la menace d'une prochaine année blanche. En les regardant dans les yeux en ce moment, qu'est-ce que vous leur dites? Mais ce que je dis, c'est qu'il y a eu une commission paritaire sur laquelle le bon syndical et le bon gouvernemental s'est mis d'accord. On a bien indiqué la problématique que nous avions. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de pas qu'on va faire d'un point de vue financier pour pouvoir déjà accomplir un certain nombre de paliers. On s'est mis d'accord sur ça. Donc si aujourd'hui, quand un accord a été pris, certains, parce que quand on dit au niveau des enseignants, ce n'est pas tous les enseignants. Du moins une bonne partie. Une bonne partie, vous avez identifié?
Vous avez fait cette analyse-là? En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus, ils sont plus de plus en plus nombreux, mais je pense qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord et qu'on a dit qu'en 2025, on allait continuer, on préfère aller sur une année blanche? Je ne pense pas que ce soit la solution. Le gouvernement a montré sa bonne foi. Nous venons d'arriver, nous avons montré notre bonne foi. Nous avons un budget que nous n'avons pas, nous, élaboré. Nous travaillons sur base du budget que nous avons trouvé. Laissez-nous la chance, avec le budget que nous venons d'élaborer, une fois qu'il va être approuvé par le Parlement et qu'il sera promulgué, à ce moment-là, on pourra faire mieux. Mais là, on fait avec ce qu'on a entre les mains. Malheureusement, madame, quand on parle avec les syndicats tels que les SIECO, les SINECAT et beaucoup et tant d'autres, ils accusent le gouvernement de ne pas négocier avec les bonnes personnes. Et le gouvernement crée ses propres syndicats, les amène autour d'une table et signe des accords et tout. Eux, ils estiment que vous ne parlez pas avec beaucoup de personnes, les bonnes personnes, et votre gouvernement n'échappe pas à cette situation. Bon, si c'est le cas, je pense que moi, ma porte est ouverte. Hein. C'est vrai que parfois, ce n'est pas évident de pouvoir recevoir tout le monde dès qu'ils arrivent. Si c'est vraiment le cas, je pense qu'il est important, plutôt que de faire subir cette grève à nos enfants, de pouvoir venir et qu'on discute sur cette représentation. Mais ça aussi, c'est une responsabilité des syndicats. Parce que comment voulez-vous que nous, gouvernement, aujourd'hui, nous discutons avec un groupe, demain, c'est un autre groupe qui revient. Donc je pense qu'il est important d'aller, et ça j'en ai discuté avec les représentants de l'intersyndicale, pour s'assurer qu'on puisse aller vers les prochaines élections syndicales, qu'il y ait un renouvellement, et comme ça, au moins, on pourra avoir les personnes qu'il faut avec qui on va pouvoir discuter. Mais pour l'instant, je pense qu'une certaine dose de patriotisme est importante pour ne pas laisser nos enfants à l'abandon et permettre au moins que ces enfants puissent aller à l'école. J'ai essayé de passer en revue le programme d'action du gouvernement. Là-dedans, il se répartit par piliers, il y a des stratégies, des objectifs. Pour ce qui est de la création d'emplois, j'ai lu améliorer la gestion des finances publiques, développer l'agriculture, promouvoir l'entrepreneuriat et création de PME, assainir le climat des affaires, maximiser les retombées des ressources extractives. Il y a tellement d'objectifs à atteindre. Mais le point qui m'attire le plus ici, c'est l'amélioration de la gestion des finances publiques. Sur ce point-là, quelles sont les actions que vous avez pu mener durant ces trois premiers mois de votre gestion qui pourrait être visible au sein de la population? La première chose qu'on a voulu faire, c'est d'essayer un peu de rationaliser nos dépenses. Et pour ça, nous sommes arrivés à baisser quand même drastiquement le niveau de nos dépenses en urgence. Nous avions des dépenses en urgence qui s'élevaient à plus de 30%. Aujourd'hui, on navigue entre 7 et 10%. Donc je pense que c'est déjà un résultat en 3 mois qu'on a pu obtenir. On vient de loin. Maintenant, au-delà de ça, c'est un exemple. On vient d'ailleurs de passer ça en Conseil de ministres. Décider, par exemple, d'octroyer un allègement fiscal à toutes les entreprises congolaises qui sont à l'est du pays et qui sont confrontés à des problèmes dus à la guerre. Quand on parle de gestion des finances publiques, aujourd'hui, les ressources que nous avons proviennent en grande majorité des taxes, impôts, redevances, n'est-ce pas? Quand nous commençons à parler d'allégements fiscaux, en règle générale, j'ai les régies qui me regardent en me disant « Mais et nous ?» Nous avons des targets à atteindre. Mais bien sûr, mais la question est de regarder comment ça se fait de manière cohérente. À partir du moment où, dans un secteur, on leur donne des allègements fiscaux, ils vont pouvoir mieux produire. Et une fois qu'ils produisent, ça va faire des ressources qui pourront ensuite être imposables. Donc c'est un peu cette logique-là sur laquelle nous avons commencé à travailler. D'ailleurs, vous avez pu aussi voir que dans la gestion des dépenses, nous avons pu faire un surplus en termes budgétaires de plus ou moins 560 milliards de francs. Donc, ce sont des efforts qui ont été faits. N'oubliez pas que nous sortons d'une situation où, l'année dernière, nous avons eu les élections, nous avons eu
Et nous avons toujours ce conflit à l'Est qui nous prend énormément de ressources. Et nous devons donc gérer tout le reste en essayant d'être un peu plus cohérents dans notre manière de gérer l'ensemble de nos ressources au niveau du trésor public. Excusez-moi, je pense que Madame la Première Ministre n'est pas assez revenue sur la protection du pouvoir d'achat des Congolais. Okay. On a plus parlé des enseignants, de la grève. D'accord. Je voudrais savoir ce que vous faites concrètement. La primature, depuis un certain temps, est devenue un dortoir à ciel ouvert. Aujourd'hui, ce sont les médecins qui viennent passer la nuit ici. Demain, ce sont les députés provinciaux, etc. Et les conseillers communaux qui ne sont pas payés, etc. Entre-temps, le pouvoir d'achat du fonctionnaire congolais, mm-hmm. en fonction du taux du dollar sur le marché, s'amenuise au jour les jours. Qu'est-ce que vous prévoyez comme mesure concrète pour améliorer ou protéger ce pouvoir d'achat du D'accord. Congolais ? Mais avant de vous répondre, vraiment, je vais vous dire une chose. Tous ces gens qui viennent faire le stating ici, certains même sont en train de dormir, je leur ai posé la question quand je les reçois, mais je vous dis que je vais vous recevoir demain. « Toye bioza mama. Yangwana toye panao » parce que « yo, bamsous bazo kate miyo toza sur yoka. » Il y en a qui ont eu des réponses. Les conseillers communaux, on a trouvé une solution. On a commencé à payer au niveau des frais de fonctionnement, au niveau des exécutifs provinciaux. Dernièrement, les députés provinciaux, ils m'ont écrit en me disant « Ah, merci beaucoup, ils viennent de recevoir deux mois de salaire. » Les médecins étaient là la semaine dernière. Les médecins étaient là la semaine dernière. Je leur ai dit « Écoutez, vous partez en commission paritaire le 7. Allez-y, discutez en commission paritaire, mettez-vous d'accord et ensuite, on va pouvoir cheminer. » Donc, je pense que c'est important. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le social du Congolais, et particulièrement du fonctionnaire, est un élément important. Alors, en termes de pouvoir d'achat, la première chose qu'on a faite, c'est de voir, il fallait déjà au moins stabiliser le franc congolais. Je pense que vous avez pu observer que depuis qu'on est là, le taux de change reste quand même... stable, n'est-ce pas? Ce n'était pas le but, il fallait Equita. Non, il fallait Equita, mais papa, Ero Kita Mbalamoko. Nada la baguette magique, t'es en Kita Mbalamoko. Ponako Kita, nous devons travailler, ça revient à votre première question, nous devons travailler sur la diversification de l'économie parce que, à partir du moment où nous importons moins, donc nous avons moins besoin d'aller rechercher des devises. Et nous pouvons plus utiliser à terme les francs congolais et donc nous aurons moins de pression sur le taux de change. Mais pour ça, nous, comme je l'ai dit, nous sommes en train de prendre un certain nombre de mesures pour travailler sur les diversifications avec en appuyant, on a parlé de la transformation au niveau minier, on a parlé de l'agriculture. Donc si nous arrivons vraiment à booster la production locale, c'est à ce moment-là, je pense, qu'on aura une meilleure éclaircie en termes de taux de change, parce que c'est lié. Mais au moins, vous avez vu, nous avons essayé, en diminuant la masse monétaire en circulation, il y a des gens qui n'étaient pas contents, mais finalement, on finit, quand le résultat est là, qu'on a quand même un taux de change stable, ça peut nous calmer. Ce que nous essayons aussi de faire, c'est de lutter contre la spéculation. Ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, je donne juste l'exemple. Vous avez vu, nous avons pu, en discussion avec les pétroliers, parce que c'est cette discussion qui a été faite, ensemble, on s'est mis d'accord sur les paramètres qui jouent sur le prix du carburant, on a travaillé notamment sur le prix moyen frontière, etc. Et nous sommes arrivés à baisser le prix du carburant, n'est-ce pas? Vous l'avez vu dans les stations d'essence. Mais en termes de spéculation, les gens ont commencé à dire « Ah non, mais peut-être que c'est juste une baisse aujourd'hui, demain ça va augmenter. » Surtout qu'il y a un conflit au Moyen-Orient, madame. Oui. Ça risque de créer une autre crise et le prix risque écoutez, de repartir. Même admettons que... Parce que ce sont tous des paramètres qu'on prend en considération. Et dans le manque à gagner qu'on calcule, et que nous... Parce que vous le savez, le prix du carburant, il est subventionné par l'État congolais. Sinon... Le Congolais, l'Andra, paierait beaucoup plus. Donc l'État prend en charge toute une partie de ce coût-là pour éviter cette pression au niveau du Congolais, l'Andra. Mais si nous sommes arrivés aujourd'hui à baisser le prix
de 3340 à 2000, c'est 2990, hein? 2990. Puisque nous arrivons à 2990, admettons que d'ici 2-3 mois, il y ait une explosion, parce que c'est des risques. Évidemment, il faut en tenir compte. On ne peut pas gérer sans faire une analyse des risques. Qu'il y ait une explosion dans le Moyen-Orient et qu'on a vraiment un problème, une pénurie au niveau du carburant. Même si ça monte, est-ce que vous êtes sûr que ça va remonter à 3340 comme avant? On a une marge. Donc c'est ça aussi, on anticipe. C'est tout ce travail-là qu'on a fait en discussion avec les pétroliers pour assurer que, au moins, à partir du moment où on a pu baisser le prix du carburant, on va pouvoir voir dans quelques jours comment on discute avec au niveau du transport pour essayer de voir comment on va aussi baisser le coût du transport. Et à terme, il devrait avoir une répercussion sur les coûts des produits qui dépendent du coût du transport qui utilise le carburant. Maintenant, c'est sûr que ceux qui ont déjà des stocks qu'ils ont achetés à un prix plus cher ne vont pas baisser les prix du coût. Donc, il ne faut pas que les gens disent « prix à carburant et kiti, prix à bilok et kiti n'a noté dans tout le monde et l'autre côté. » Et koya, mais botika, il y a un processus, donc ça va se faire. Dans le programme du gouvernement, vous avez promis 1,5 million d'emplois par an. Mm-hmm. Comment vous allez y arriver? On ne peut le faire qu'avec le secteur privé. L'État seul ne pourra jamais créer autant d'emplois. L'État ne peut le faire qu'avec le secteur privé. C'est pour ça que cette question d'amélioration du climat des affaires est extrêmement importante. Quand j'étais encore ministre du Plan, nous avons travaillé sur un certain nombre de réformes à mener en vue d'améliorer le climat des affaires. Dans ces réformes, il y a évidemment la digitalisation pour aider aussi à limiter la corruption parce que ça a un impact. Il y a la sécurité judiciaire de l'investisseur, donc on va pouvoir revenir sur les questions juridiques à ce niveau-là. Il y a aussi la nécessité d'avoir, j'en avais déjà parlé, des incitations fiscales, etc. Donc il y a toute une panoplie de mesures que nous avons prises. Teresa Canetti, les lots autonome et l'amba. Avant si l'histoire au banana kotonga, faut zoana de mesure à mon tout. Le délai court déjà. Oui, le délai court. D'ici la fin de cette année, en principe, c'était déjà 1,5 million. Parce que c'est chaque année jusqu'en 2028. Oui, d'accord. Mais malheureusement, moi, j'ai pris fonction. La suite, ce sera avec voilà. Madame, vous parlez du secteur privé, mais déjà créer une entreprise ici au Congo, je connais des proches qui en ont fait la mère expérience. Et le gouvernement a un chapelet de beaucoup de bonnes intentions que vous avez énumérées, la digitalisation et bien d'autres, mais sur terrain, concrètement, ça ne suit pas, madame. Écoutez, particulièrement dans la création d'entreprises, nous avons un service public, qui est le guichet unique de création d'entreprises, qui a eu, depuis un certain nombre d'années ou de mois, des problèmes de fonctionnement. Et donc, évidemment, cela a impacté sa capacité. On avait au départ un service qui, en 3 jours, permettait de créer vraiment une entreprise. Aujourd'hui, c'est devenu ça traîne, etc. Donc, ce que nous avons fait quand nous sommes arrivés, c'est d'assurer au moins que ce GUS puisse au moins maintenant recevoir régulièrement ses frais de fonctionnement, ce qui va lui permettre de se connecter, de pouvoir mettre à disposition à ceux qui le souhaitent tout le service nécessaire pour pouvoir créer ces entreprises. Parce que c'était juste une question de frais de fonctionnement. Et ce n'était même pas des montants importants. Donc là, nous avons relancé la machine et j'espère que ça va pouvoir suivre. Mais au-delà de ça, comme je l'ai dit, il faut aussi assurer que tous les investisseurs qui arrivent puissent non seulement avoir une sécurité en termes juridiques, puissent aussi avoir accès au crédit. Donc là, il y a toute cette discussion que nous sommes en train de faire avec le secteur bancaire. C'est vrai que la RDC, malheureusement, est considérée avec un taux de risque important et donc cela se répercute sur le taux d'intérêt qu'on nous applique. Mais c'est un travail que nous sommes en train de faire pour voir comment, avec le système bancaire, si nous, en tant que gouvernement, en tant que pays, nous avons un peu plus, une meilleure cote en termes de crédibilité, je pense que ce sont des questions qui pourront être réglées à terme.
Certains observateurs notent quelques avancées dans le domaine de la création des emplois, notamment avec la sous-traitance et autres. Est-ce qu'à ce jour, avant d'atteindre les 1 500 000 emplois dont parlait Thierry, est-ce que dans les 3 mois, vous avez plus ou moins une idée de nombre d'emplois qui ont été créés? Ça, c'est un travail. Quelques indications. Non, ça, je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est un travail que j'ai demandé et au ministère du Plan et au ministère du Travail de pouvoir nous donner des indications précises à ce niveau-là. Sur le plan de la sécurité, nous savons que le pays est agressé à l'Est et il y a des actions qui devaient être menées dans le cadre de votre programme pour justement améliorer la force des frappes de nos forces de sécurité. Voilà. Est-ce que vous évoluez sur ce plan-là? Aujourd'hui, cette question de conflit à l'Est nous préoccupe énormément. Quand nous voyons toutes ces victimes à l'Est, ces déplacés, ces morts, ces femmes violées, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et nous ne pouvons pas continuer à accepter qu'un pays voisin, qui est le Rwanda, avec ses supplétifs M23, vienne nous agresser. Raison pour laquelle le chef de l'État a décidé, et c'est ce que nous sommes en train de faire, de mettre les moyens nécessaires pour arriver à la montée en puissance de l'armée. Maintenant, il faut voir d'où nous partons et où est-ce que nous voulons arriver. Mais évidemment, il y a des détails dont je ne saurais pas parler ici. Madame, à l'Est, les déplacés, c'est compte en termes de millions, vous le savez. Que fait votre gouvernement concrètement pour soutenir ces personnes de manière efficace et régulièrement surtout? Vous savez, quand je suis entrée en fonction, mon premier voyage a été à l'Est. J'ai été au sud, à Bukavu, et à Goma. Je pense qu'il était important pour moi de montrer à cette population meurtrie, et j'ai été jusqu'au camp de déplacés de Mungangu, c'était important d'aller les voir et de leur montrer que nous sommes là avec eux. C'est vrai, dans un contexte où vous êtes loin de chez vous, vous n'avez plus accès à vos cultures, parce qu'en règle générale, ce sont des populations qui sont des cultivateurs, vous ne pouvez plus cultiver, vous êtes dans des endroits où il n'y a pratiquement pas d'eau, où il n'y a pratiquement pas d'électricité, et donc c'est une situation assez difficile, et en plus vous vous retrouvez dans une situation où on commence même à parler d'agression sur les femmes, etc. Donc la première chose était de voir, nous déjà gouvernement, avant même de parler des partenaires, il y a un appui que nous essayons d'apporter régulièrement au niveau de ces populations de l'Est. J'ai la ministre des Affaires sociales et humanitaires qui y va d'ailleurs régulièrement. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est à l'Est suite au naufrage que nous avons eu. Et vraiment, il faut avoir une pensée pieuse pour toutes ces personnes décédées et vraiment toute ma compassion à leur famille. Et donc, c'est une situation qui nous interpelle et nous essayons de pouvoir trouver des solutions en termes d'appui humanitaire. Mais la meilleure des choses pour nous, c'est d'en finir avec cette guerre. Parce que même si on donne des appuis humanitaires, le plus important pour cette population, c'est de pouvoir rentrer en paix chez elle. Nous avons, comme je l'ai dit, le volet militaire avec le travail qu'on est en train de faire sur la montée en puissance de l'armée. Nous avons le volet diplomatique. Nous sommes en train de travailler sur ce volet-là. Vous suivez régulièrement où on est dans les discussions dans le cadre des accords de Luanda. Et d'un autre côté, il y a aussi d'un point de vue judiciaire, où nous travaillons, non seulement il y a toutes ces actions judiciaires aujourd'hui à l'international, pour non seulement qu'on puisse avoir un certain nombre de sanctions, ça c'est l'aspect diplomatique, mais aussi judiciaire, des actions d'indemnisation par rapport à tout ce qui se passe à l'Est, mais aussi il y a tout ce qui concerne la justice transitionnelle, où il va falloir trouver aussi un moyen de pouvoir réparer toutes ces atrocités qui ont été faites à l'Est. D'un autre côté, nous sommes en train de travailler sur l'aspect économique lié à cette guerre. Parce que comme on le sait, cette guerre aujourd'hui, elle est pratiquement liée à des causes économiques. L'exploitation illicite de nos ressources. Et donc pour ça aussi, il y a un certain nombre d'actions que nous sommes en train de mener, tant au niveau diplomatique qu'au niveau économique, pour essayer de bloquer tout ce processus de ressources qui vont à l'Est. Quand je dis à l'Est, dans les pays frontaliers, évidemment. On prend aujourd'hui la question de Primera Gold. À partir du moment où on a pu mettre cette entreprise en place, qui a pu commencer à capter toute
la production artisanale de l'or, ça permet de bloquer le passage de l'or dans les pays voisins. Aujourd'hui, vous avez vu que nous avons même encore été, il y a eu cette déclaration du secrétariat d'État américain au travail qui parlait du travail des enfants dans les mines. Mais quand on prend de manière générale, nos mines, à 70%, sont gérées par des entreprises industrielles en bonne et due forme qui respectent les standards. Donc ce problème du travail des enfants, c'est dans les 30% qui restent dans l'artisanal. Mais même là, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes à travers, non seulement, par exemple, l'entreprise générale du cobalt, à travers Primera Gold, à travers d'autres services pour justement essayer de contrôler toute la production artisanale et assurer aussi qu'il y ait de moins en moins de production artisanale illicite. C'est un combat. Vous savez qu'il y a des groupes armés qui pullulent à l'Est, etc. C'est un combat qui n'est pas facile, mais je pense qu'on va y arriver. Madame, plusieurs observateurs, une fois de plus, acclament le travail qui se fait par le truchement du ministre d'État, ministre de la Justice, qui désengorge les prisons. Mais avec la montée du banditisme urbain, le phénomène Kuluna, on pensait que ce n'était qu'à Kinshasa, mais ça s'étend à travers la République. Le gouvernement risque de faire un travail pour rien. Parce que ces jeunes-là vont être arrêtés, de nouveau renvoyés dans les prisons et ce sera un cycle vicieux finalement. Au moment de mon investiture, il y a des honorables députés qui m'ont demandé pourquoi, dans mon programme d'action du gouvernement, le pilier paix, sécurité, justice venait en deuxième position alors que le pilier diversification de l'économie, création d'emplois venait en premier. Simplement parce que tous ces jeunes aujourd'hui, on doit leur donner du travail. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler. C'est vrai. Nous sommes dans une situation où, prenons la prison de Makala, construite en 1957, ça fait combien d'années ? Il faut faire les calculs. 67 ans. En 67 ans, il n'y a pas eu une nouvelle prison ici à Kinshasa. Cette prison qui était construite pour 1500 personnes, aujourd'hui vous avez vu, malheureusement avec cette catastrophe que nous avons eue au niveau de la prison au moment de la tentative d'évasion, on avait plus de 14 000. Ce n'est pas possible. Il y a ce processus de désengorgement de prison qui est important. C'est vrai qu'avec cette catastrophe qui a eu lieu au moment de la tentative d'évasion, il a fallu essayer de trouver des moyens pour désengorger rapidement, mais nous devons contrôler tout cela et ce travail doit se faire en harmonie avec le Conseil supérieur de la magistrature parce que c'est dans le cadre de cette commission paritaire que ce travail est fait de manière continue. Mais entre-temps, moi j'ai réuni ici avec moi les hauts magistrats, le ministre, le MINETA, ministre d'État en charge de la justice, le VPM intérieur, etc., pour discuter de quelles sont les actions que nous devons mener. Non seulement aujourd'hui, Makala et toutes les autres prisons, c'est la même chose. On a fait le point de situation. Ne peuvent plus accepter des détenus, condamnés ou détenus préventifs. Nous ne pouvons pas garder des gens dans les cachots, parce que là aussi, aujourd'hui, il y a un débordement indescriptible. Donc, aujourd'hui, moi, je leur ai demandé de me rendre un rapport pour me dire quelles sont les propositions de solutions, comment déjà on sort tous ceux qui sont dans les cachots, on sépare les femmes, les enfants, parce que ce n'est pas possible d'avoir tout le monde dans le même endroit. C'est impossible. En attendant déjà, ceux qui sont des détenus pour pouvoir les mettre là, décident qu'on va pouvoir contrôler et il faut ce travail, on ne peut le faire qu'avec la police et l'armée, parce que à partir du moment où on trouve un site, il faut le sécuriser, il faut contrôler, parce que sinon vous allez encore avoir des problèmes avec les populations environnantes, donc on ne veut pas en arriver là. Mais donc ce travail-là, moi j'attends qu'on me donne les conclusions et le gouvernement va devoir mettre les moyens pour assurer ça. En attendant qu'on puisse arriver, on a dans la projection la construction de nouvelles prisons, donc c'est un travail aussi qui est en train d'être mené entre le ministre de la Justice et la ministre des Affaires foncières, parce qu'il faut trouver des terrains qui sont disponibles, etc. Mais bon, voilà, nous allons y aller.
Malheureusement pour nous, nous sommes en train de vivre une situation que nous n'avons pas créée, mais que nous devons gérer. Maman Première Ministre, je dis ce mien nomato ndina libako pe sibiso. Yayambolani natuna yo boye na konome yo comme Première Ministre ya gouvernement mukonza mboka a résoudre ba problème balé. Yayambo apesi na province na yo aux ali originaire parce que moi na Songololo Congo central. Pour la première fois dans l'histoire, il y a un cannabis depuis l'indépendance. Il y a un poste de la Premier ministre. Deuxième chose, il y a une maman qui a tomboli na ebonga oyo. Tangu ozola lozola muka. Dingi fo ou répondre na makambo na mibale. Est-ce que katako pongi na katkati ya butu? Est-ce que ozozon ka elo komo ya lokumu? Maman Sylvie n'a qu'un ici que l'herbe n'a pas qu'il y a une aloba qui en go. Et l'eau comme tout ya ou mon conjambo capé singa et l'eau comme quête. Pour n'a pas eu l'eau comme moté. Et ça, comment on dit ça? Et ça, mon kumba. Oh yo, mon conjambo capé singa et pour n'a kokambamboka. Et ça, l'eau comme quête. L'herbe nommé ngai lo onina liboso na sala kota la nal bande ko na biso bazana est parce que kuna pasipe batu bazana pas na katia RDC bazali mais so rotali bozana guerre ça fait 30 ans guerre ngai si laté mon sukonga na ya na ke no tambula na ngai te na lobina ke na kota la bande ko na ngai bazana no kuna baye ba ke muto aye en tant que maman en tant que de ko moi si na zo comprendre ba pas na bango. Et na mona bango pona la ki sa bango ke na zo comprendre mais que na gouvernement nanga to kosala elongo poto luka solution pona bango ndenge moko na ebi lelo ke tozala ba problème abanzela na kati to lo baka na kati ya Kinshasa to ke na biso musikate mama yo kan si soki mbule no kinga na lala na ko lala te na zo benga na yeba situation za ndenge nini entre temps na si na PCP mitindo na kan si bomona ki na recevra ki awa na yambaki gouverneur ya province ville province à Kinshasa parce que Kinshasa est ville province mais yango pe biso gouvernement ba institution nyonso tout aux ape na kati ya Kinshasa na yambaki gouverneur na yambi ministre en charge ya infrastructure ministre d'état na yambi ba continue surtout au bazar en charge ya ba infrastructure ponani na ministre à finance, na ministre à budget. Pourquoi? Parce que na yebi que na ba compétence au constitution et pesibiso. Ils ont important to ta la nene to kusunga. Gouverneur na kansi alekaki et pa yandeko. Thierry Kamboudi. Aloba ki pe gouvernement central les lotos ou aidé ville province pour na makoki ya ko rosa la pour na robanda robungisa nzela. Tozo ba no pe sa mensuellement peu moi. Moi, pas ta peau à cocapé, au cas la 2 millions. Mais la banzélu, bébé, aux huit. Et peut-être bandélité, maman. Aux huit au commandement, même c'est là le coup. Aux huit, tout ça, les programmes. Même le l'Ordre national numéro 1, tout ça, ça m'a tête. Naboui, n'a pas été. Naboui, ils ont des licambo, ils ont un programme. Ah, on a Kinshasa. Sauf aux huit 5 km, nzinga nzinga ya zandu. Tout ça, les programmes, tout ça, on a attaqué en gros, on a étudié ici et salami. Ministre des Finances, c'est à Pessa Kimbongo, Besseko et Sali, on étudié. Sur base, on a étudié, on a demandé à Sali, on a dit, on a dit, on a dit, on a mbongo, on a dit, 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 d'où nécessité ya kosala ba étude wana et salami yango wana na gouverneur tozo ken toro ken liboso sikoto bana misala ba sala ba appel à manifestation d'intérêt ba entreprise ya solo pe ba ya pona ba entreprise wana pe toningi ko mona o ya solo pa o ya lukuta ba ye kaka et puis ba sali mutala manœuvre pe ba ken na bango de la même manière na programme wana ya 27 km na kati ya ville à Kinshasa pe fo bazwa et de la même manière aussi topé ça qui na nani na et pas gouverneur ndenga yo lobby eza 2 millions teza 1 million 500 eza 2 millions yo ba qui c'est lié wana eza ina tanga kala bazako zo na ville sikoyo na ba misalo nyo surtout photos za la tozo aider na 1 million 500 mais na mbongo wana eza pona assainissement
Mais tu as là dans les cambotos, tu as un assainissement. Non, pas ça. Et si tu as fait des choses, tu as un problème. Tu as un problème. Ça, c'est une spoliation. Et si tu as un problème, tu as un problème. Il y a salité. Kasi yango tozo landela boyo kite mikolo yo mama akasia azo landela ngo pona kotia ordre parce que il faut soki to lingi to bonga na katia mboko il faut to kenne na makamuna ndinga ordre il faut to tika désordre mais biso moko pe bakole et l'état ko sala musala na ye mais biso pe kongole mutu na mutu pe asala pe mpar na ye parce que to kondi mate que soki to lingi mboka na biso to boya nde désordre to boya corruption. Tout beau à désordre, tout beau à corruption. Ou à notre soutien, nga le colonel qui a justice, mais yambona tout na makamba justice soana. Donc le maman Judith, tout là lit tout la monkey, biso tout sépile parce que carburant est quitté. En tout cas, il faut tout saluer. On prise à l'icamo moko. N'aime peut-être que c'est une première, mais c'est un fait quand même rare d'être au colonel batavo na le poteau.